Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette session d'information, mais avant tout, le sommaire. Il n'y a toujours pas de consensus dans la désignation du président de la CENI par le chef de confession religieuse. Le flou persiste et la population invite les pères spirituels à une large compréhension pour le bien-être de tous. Poursuite de l'instruction de l'affaire commissaire divisionnaire adjoint Palanganawesh Elvis, la haute cour militaire a interrogé certains instructeurs de la police nationale congolaise en qualité David, de témoins. David, reviens. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous avoir choisis pour vous informer. En image, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a échangé ce jeudi à la Cité de l'Union africaine avec une délégation du groupe de parlementaires panafricains venus lui soumettre les différents enjeux et autres questions en rapport avec le bon fonctionnement de cette organisation des élus du continent. Mohamed Toumi Bandjelloun, vice-président de la Chambre des représentants du Royaume de Maroc et porte-parole de la délégation, s'est félicité de l'honneur que le président Félix-Antoine Tshisekedi, président en exercice de l'Union africaine, leur a fait en les recevant, exprimant ainsi son engagement pour un avenir meilleur des parlements africains. Pour le vice-président de la Chambre des représentants du Royaume chérifien, les parlementaires africains ont décidé de mettre la main à la pâte pour que l'Afrique aille davantage de l'avant, car, dit-il, l'Afrique d'aujourd'hui n'est pas l'Afrique d'hier. Et comme je le disais dans le sommaire, le processus de désignation du futur président de la CENI par le chef de confession religieuse, il n'y a toujours pas de consensus malgré les bons offices du bureau de l'Assemblée nationale. Le peuple congolais invite donc le père spirituel à rechercher l'intérêt supérieur de la nation. Sylvie Fortuné Mboula et Patti Mbouzi pour ce reportage. Les violons ne semblent toujours pas s'accorder entre le chef de confession religieuse sur la désignation du futur président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, malgré les délais prorogatoires accordés par le bureau de l'Assemblée nationale. Alors qu'une plénière était prévue ce jeudi à la commission paritaire mixte pour tenter d'aplanir les divergences résiduelles au sein de confessions religieuses sur cette épineuse question, 6 de 8 confessions religieuses auraient déposé leur procès verbal sans la CENCO et les CC une fois de plus. Le peuple congolais, qui observe de près les divergences des pères spirituels, veut voir ces processus aller jusqu'au bout. Je demanderai à l'église catholique et aux représentants de l'ECC vraiment d'être des Congolais, de ne pas nous faire traîner dans le bout pour demain on puisse encore créer des problèmes. Ils savent très bien que le monsieur là, si c'est quasiment, s'il a puis passer dans toutes les étapes. Moi, je crois que s'il le mérite, il n'a qu'à faire à nous préparer les élections comme prévu. Moi, je crois que c'est un passe-temps. On devait déjà passer. Mbosso, quant à lui, malgré jusqu'à aujourd'hui, on a donné, ils ont fait 48 heures. On leur a donné 48 heures pour donner le nom. Jusqu'à présent, ils nous font passer le temps pour rien. Si je pourrais adresser un message directement au père de l'Église, je commence par M. Dodo Kamba, le pasteur Dodo Kamba. J'ai beaucoup de respect pour lui, j'ai beaucoup d'estime à sa personne. Je pense qu'il est question d'obtempérer. On ne doit pas gérer surtout une question qui nous concerne tous avec beaucoup de muscles pour dire que non, voilà, on doit toujours être en discordance avec les autres. Il est question de mettre en paix de l'eau dans l'air vert pour essayer d'harmoniser la situation ensemble avec l'autre son de cloche. Je vais directement adresser un message à la CENCO
Moi, je pense qu'on ne doit pas toujours s'opposer pour s'opposer. Il est question de trouver un consensus autour d'une personne, peu importe sa nature, peu importe sa couleur, sa tribu, cela ne pose pas problème. Nous devons avancer. Il y a un calendrier devant nous où nous devons respecter, surtout les élections. Nous attendons les élections à tout prix. Vous savez, la conjoncture du pays actuel, nous devons sanctionner les politiques. Il faut que les confessions religieuses fassent montre de bonne foi, qu'ils s'inclinent devant la majorité. C'est tout le message que je peux lancer, puisque le peuple n'a pas besoin de considérations d'ordre tribal. Loin de là, quelle que soit la tribu, mais si la personne a été élue en bonne et due forme, il faut se foutre des considérations d'ordre tribal. Même si, apparemment, les carottes semblent être cuites à l'Assemblée nationale, où le plébiscite des 6 églises sur 8 prend de plus en plus des allures d'un besoin ficelé d'avance, les regards sont actuellement tournés chez le président de la République, Félix Tshisekedi, pour arrêter ou laisser faire ses feuilletons. Appelé à être au-dessus de la mêlée. D'ailleurs, la Conférence épiscopale nationale du Congo Senko et l'Église du Congo SCC, devenue marginalisée, l'en aurait déjà mise en alerte. Et puisque pour tout faire, il faudra être en bonne santé, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé vole au secours de clinique Ngaliema par la remise en service du scanner et de l'IRM. C'est son conseiller principal en matière de santé qui s'est rendu sur place pour remettre ses différents matériels. Une fois de plus, Sylvie Fortuné-Mboula et Patine Bouzi. Tombées en panne depuis 2 ans, deux grandes machines de services de radiologie et imagerie des cliniques Ngaliema, notamment le scanner et l'IRM, outils importants utilisés dans les dépistages de la COVID-19 et la prise en charge de malades souffrant de pathologies cérébrales et autres lésions, ont été réparés et remis en service grâce à l'appui du Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé Kyenge, qui, s'inscrivant dans la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, dans cette matière, n'a pas hésité de répondre avec promptitude aux cris d'alarme lui lancés par le médecin et le staff dirigeant de cette institution hospitalière de Kinshasa. Cette remise en service du scanner intervient dans un contexte où les cliniques Ngaliema prennent en charge gratuitement les personnes souffrant de la COVID-19 en cette période de la 3e vague. C'est le conseiller principal du Premier ministre en matière de santé, Pascal Ntalacha, qui a représenté le chef du gouvernement au cliniques Ngaliema pour palper du doigt la mise en service effective de ces deux outils de laboratoire. Ces gestes de cœur du Premier ministre Samalou Kondé est salué de vive voix par le docteur Hubert Nkwembe, spécialiste en radiologie et imagerie au cliniques Ngaliema. Cette panne qui a perduré pendant longtemps et qui a vraiment pénalisé le service et aussi la population, nous sommes très émus, très contents de retrouver notre matériel opérationnel afin de rendre le meilleur service à notre population. Et nous profitons de l'occasion pour remercier le Premier ministre pour sa réaction immédiate après qu'il soit saisi du problème qui s'est posé dans notre service de radiologie. Pour sa part, le chef du staff médical de Clinique Ngaliema, le docteur Richard Voila, a remercié le Premier ministre Samalou Kondé pour cet appui de grande portée, signalant que ces gestes posés par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé viennent apporter un coup de pouce au Clinique Ngaliema, sélectionné parmi les institutions hospitalières qui prennent en charge le malade de COVID-19 par le ministère de la Santé. Et le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé est attendu ce week-end à Bounia, chef-lieu de la province de l'Ituri. Le chef du gouvernement sera en mission officielle dans cette partie de la province pour s'imprégner de l'effectivité de l'état de siège décrété dans la province. Le député national Jackson Aoussé, élu du territoire d'Irumu, indique que la question d'ordre sécuritaire et du développement de l'Ituri seront soumis au Premier ministre pour que l'Ituri se retrouve également pendant sa gestion. Il est au micro de Charlie Omba. Nous sommes venus ici, nous les députés nationaux, nous sommes au nombre de 10. Nous sommes venus ici dans le cadre d'évaluer, n'est-ce pas, les forces et les faiblesses des ripostes militaires, n'est-ce pas, contre les groupes armés. C'est inutile de parler avec le gouvernement militaire à l'absence du gouvernement central. Parce que le gouvernement central et le gouvernement militaire est lié, en fait. Le gouvernement militaire n'est pas un, n'est pas efficace sur le terrain sans l'apport du gouvernement central.
Parce que vous allez comprendre avec moi que ce gouvernement militaire dépend du gouvernement central. Son sort dépend de l'action du gouvernement central. C'est pour cette raison que nous, on attendait pied fermé les premiers ministres pour qu'ils puissent venir, qu'on fasse une table ronde, qu'on discute, qu'on voit les forces et les faiblesses pour qu'on lève les options nécessaires. Nous attendons de sa présence le règlement des situations sécuritaires prioritairement pour mettre l'input, n'est-ce pas, pour mettre un peu l'accélérateur pour les problèmes des situations sécuritaires et aussi d'autres questions parce qu'il n'y a pas que la sécurité. Il n'y a pas que la sécurité, il y a, par exemple Mahagi, il y a Arou, il y a une partie de Mambasa qui sont quand même sécurisées. Dans ces zones-là, nous voulons voir aussi la présence du gouvernement. Nous voulons voir aussi l'action du gouvernement sur le plan de la santé, sur le plan de l'éducation, sur le plan de l'agriculture, sur le plan des problèmes des routes, ainsi de suite. Les zones qui sont sécurisées ne doivent pas attendre les zones qui sont encore à l'insécurité pour décoller. Nous allons aussi lui parvenir de ça parce qu'apparemment dans son agenda, nous ne voyons pas très très clairement la place de l'Ituri pour les zones qui sont à sécurité. Et au terme de deux jours de vidéoconférence, l'Association de banques centrales africaines a investi ce vendredi 20 août 2021 sa nouvelle présidente. Il s'agit de la gouverneure de la Banque centrale du Congo, Malangu Kabedi Mbuyi. Cette dernière a animé à l'Institut des émissions une conférence de presse. Jean-Louis Miasekama et Hugues Moussangui. À peine un mois après son entrée en fonction, Malangu Kabedi Mbuyi, gouverneur de la Banque centrale du Congo, est sur le feu de la rampe, et cette fois sur le plan continental. Elle a été investie par ses pairs africains pour un an, présidente en exercice de l'APCA. Et elle donne le ton de sa présidence. Ma vision sera une vision qui restera dans la droite ligne de celle, en fait, de nos pairs au niveau de l'Union africaine. On ne peut pas s'en écarter. Il s'agira pour nous de nous assurer que rapidement nous établissons un chronogramme, nous établissons des priorités pour que ces actions soient mises en œuvre dans un délai qui nous permettra de rendre compte de manière satisfaisante à la réunion des gouverneurs de l'année prochaine. L'autorité monétaire se veut plus précise sur les sujets de sa mandature. Il y a un certain nombre de critères de convergence au niveau de nos économies. Et ça, c'est un aspect très important de l'intégration économique. Et un élément important là-dessus, sur lequel va aussi porter la mandature de la BCC, c'est par exemple le système, l'intégration des systèmes de paiement en Afrique. Comme vous savez, aujourd'hui, même lorsqu'il y a des échanges au niveau des pays africains, les études ont montré que les paiements passent toujours par les systèmes, soit en Amérique du Nord, soit en Europe. Et donc, il y a ce projet important de mettre en place un système de paiement intégré des banques centrales africaines. Malangu Kabedi Mbuyi succède à la présidente de l'APCA, à John Rwangomboa, gouverneur de la Banque nationale du Rwanda. Le gouverneur de la Banque centrale de Gambie assume la vice-présidente de l'APCA. Et Sylvain Kapombobo Sengele nous fait dire que la haute cour militaire qui juge le prévenu commissaire divisionnaire adjoint Palanganaweij Elvis, poursuivi pour homicide involontaire, a entendu ce jeudi 19 août certains instructeurs de la police nationale congolaise cités dans cette affaire en qualité des témoins. Tous ont déposé à décharge du prévenu. Suivez. La haute cour militaire a poursuivi l'instruction au fond ce jeudi 19 août. Par l'audition du prévenu commissaire divisionnaire adjoint, Palanganaweij Elvis, accusé d'homicide involontaire. L'interrogatoire a porté essentiellement sur l'usage des armes lors de l'exercice de tir à Kasangulu. Comme à l'audience précédente, les prévenus a soutenu avoir tiré en l'air et non à bout portant sur les apprenants pour donner le go du dit exercice. Par la suite, ce sont les instructeurs qui ont fait l'usage de leurs armes AK en tirant à la hauteur de 5 mètres conformément aux instructions qu'ils avaient reçues de lui, a-t-il dit. Les premiers groupes avaient terminé l'apprentissage sur une note satisfaisante, sans aucun incident, a déclaré les prévenus. Les allégations du commissaire divisionnaire adjoint ont été confirmées par certains instructeurs entendus par la haute cour militaire en qualité de témoin. Lors de sa déposition à cette audience de jeudi, les témoins, commissaire principal Kabuya, a fait savoir que c'est au deuxième groupe que l'élève policier apprenant a été atteint par balle. Le général Elvis
avait juste instruit verbalement pour que l'exercice des tirs puisse commencer, a-t-il ajouté. Et pendant cette séance, le commissaire principal Bonzambo avait tiré à l'aide de l'arme AK. Ayant constaté la carence des munitions, Bonzambo avait aussi fait usage de son pistolet GP automatique qu'il portait. C'est en position à genoux qu'il tirait, a déclaré le témoin Kabuya devant la haute cour militaire. Selon lui, l'élève policier décédé faisait partie de la deuxième vague. La cause a été renvoyée à jeudi 26 août 2021. Parlons Covid-19 dans ce journal. La situation continue à être préoccupante dans certaines provinces, mais stable à Kinshasa, l'a déclaré le virologue et secrétaire technique de la Riposte, Dr Jean-Jacques Muyembi, lors d'un point de presse hebdomadaire de la cellule technique de la Riposte à la Covid-19. C'était hier à l'IRNB. Suivez. Au cours de son point de presse hebdomadaire de ce mercredi 18 août 2021, le virologue a fait montre de son inquiétude excessive vu le comportement de la population quinoise après l'annonce de l'allègement des mesures barrières, martelant ainsi que la baisse des cas à Kinshasa ne signifie pas la fin de la pandémie. Ce qui m'a frappé le plus, c'est la situation que nous avons connue avec l'annonce des ouvertures des bars. Et ça a été vraiment un événement particulier, si on peut le dire. Mais ici, on a annoncé et on n'a pas dit que ça devait commencer le même jour. Donc les ministres parlent, hein, et puis les gens commencent à ouvrir leurs bouteilles de bière. Il y a quand même des mesures d'accompagnement qui doivent venir. Il y a une décision du gouverneur de la ville, et puis en ce moment-là, les bars s'ouvrent. A-t-il affirmé que les 51 840 doses des vaccins AstraZeneca sont déjà à Kinshasa, bien qu'insignifiant, ils serviront dans un premier temps de deuxième dose aux 81 000 personnes ayant reçu la première dose. Il a par ailleurs rassuré la population l'arrivée d'un unième lot, comme l'avait promis le chef de l'État. Comme vous savez, on a reçu 51 840 doses de vaccins AstraZeneca. Bon, pour toute la République, bien sûr, c'est une petite goutte dans l'océan. Donc, ça ne suffira pas. Ce premier lot qui est arrivé, c'est pour, en fait, donner à ceux qui avaient déjà reçu leur première dose. Et le député national Jean-Pierre Kayembe a lancé conjointement avec le gouverneur Haï du Kassai central les travaux d'électrification du quartier Kélékélé dans le cadre d'accompagnement des actions du chef de l'État au Kassai central. L'activité a eu lieu jeudi dans la soirée en présence de plusieurs personnes venues pour la circonstance. Suivez. Tout est parti par une marche de visibilité dans les artères du quartier Kélékélé, commune de Katoka, ville de Kananga. Après l'arrivée et l'installation de l'autorité provinciale et les membres du gouvernement, il était question pour le député national Jean-Pierre Kayembe, initiateur du projet d'électrification du quartier Kélékélé, d'expliquer le pourquoi de cette initiative. Pour éviter l'insécurité à Kananga et soutenir l'œuvre salvatrice du chef de l'État, nous avons choisi d'électrifier ces quartiers. Le courant électrique va de l'avenue Kintessa jusqu'à Katoa-Nshipa, en passant par les lycées Kélékélé jusqu'à Tshiseleka. Toutes les avenues seront électrifiées. Par cette action, je démontre tout mon soutien au chef de l'État et je vous prie aussi de le soutenir. Le gouverneur ad intérim de la province du Kassai central, Tarsis Kabatusi Lambuyamba, dans son mot, a remercié l'initiateur du projet réalisé au profit de la population de la ville de Kananga. Occasion pour lui d'inviter sa population de faire bon usage de ses dons de l'élite nationale. Le député national Kayembe s'est dit que le quartier qu'il a vu naître ne peut demeurer indéfiniment dans le noir. Tout en saluant cette action, je vous prie de l'applaudir. <t'->
Avant de jeter l'ancre à cette activité, l'autorité provinciale a procédé à l'implantation symbolique des poteaux d'éclairage sur les coins stratégiques du marché central de Kananga. D'une province à une autre, les personnes vivant avec handicap à Kalemi ont été réunies dans la grande salle de la sous-division des questions créées au noyau provincial qui a comme objectif d'être interface entre les PVH et le ministère national des Affaires sociales. Une délégation nationale des personnes vivant avec handicap venait de Kinshasa séjourner à Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika, avec comme objectif la mise en place des noyaux provinciaux, des points focaux des organisations des personnes vivant avec handicap, composés de 6 catégories de personnes: les handicapés moteurs, les handicapés mentaux, les sourds, les aveugles, les malvoyants, les albinos et les peuples autochtones. Cette structure aura comme objectif d'être comme interface entre les personnes vivant avec handicap et le ministère des Affaires sociales, dirigé par Excellence Irène Essambo Diata, en collaboration avec la Division provinciale des Affaires sociales dans la province du Tanganyika. La dite délégation s'est entretenue avec ses couches afin de réunir et normaliser les formalités pouvant conduire à l'installation de ce différent noyau. Les chefs de la délégation, les conseillers du ministère national, gérant les personnes vivant avec handicap, Jacques-Claude Tshibamba Amukong, a fait appel à ses compatriotes qui seront désignés de diriger les différents noyaux provinciaux de points focaux à faire preuve de responsabilité de leurs fonctions. Par ailleurs, la mise en place de ces noyaux est annoncée dans un bref délai. Selon Émile Kassanga, journaliste analyste indépendant, l'actualité est dominée au pays par la prorogation de l'état de siège et le bras de fer engagé entre le gouvernement et les opérateurs économiques sur la baisse de produits surgelés. Je vous invite à suivre la rubrique Actu vue par les autres que vous présentent Sylvie Fortuné Mboula et Patim Boussi. L'actualité en RDC reste dominée par quelques sujets tels que l'état de siège qui est déjà en sa 6e prorogation. Le Parlement l'a déjà voté, mais les Congolais veulent savoir qu'est-ce qui fait que on est en train de proroger, mais sur terrain, la réalité ne suit pas les attentes. C'est-à-dire que les gens continuent de mourir. Avant, état de siège égale presque pendant l'état de siège. Aujourd'hui, à Kinshasa et un peu partout, les gens veulent le pragmatisme sur la baisse des biens des premières nécessités. Les produits surgelés, comme on aime les appeler. Parce que depuis que le ministère de l'économie a signé avec ses partenaires, qui est la FEC et autres entreprises, pour la baisse des biens des premières nécessités, les chinchards et consorts, ça ne suit pas. Et sur terrain, rien ne s'est fait sentir, sinon la hausse de prix. À présent, mesdames et messieurs, le condensé de l'actualité africaine avec nos confrères de la Voix de l'Amérique. Le Burkina Faso a débuté jeudi un deuil national de 3 jours au lendemain d'une attaque djihadiste qui a tué 47 gendarmes et civils dans le nord. Le drapeau burkinabé était en berne devant le Parlement et la présidence. Plusieurs télévisions et radios ont modifié leur programme pour rendre hommage aux disparus. Des hommes armés ont enlevé 9 personnes dans une école islamique au nord du Nigeria. La police a indiqué ce jeudi que les bandits se sont emparés des écoliers mardi dans le village de Saki, dans l'état de Katsina. Des habitants ont souligné que parmi les 9 personnes enlevées figurait un professeur. À Abidjan, 49 cas de personnes ayant été en contact avec une jeune fille guinéenne testée positive au virus Ebola ont été recensés à ce jour selon l'Organisation mondiale de la santé. Un médecin ivoirien a précisé que 70 personnes étaient à bord du car dans lequel la jeune femme a voyagé de Labé en Guinée à la capitale économique ivoirienne.
Les autorités sanitaires de Guinée ont identifié et suivi 172 cas contacts d'un homme décédé du virus du Marburg. L'Afrique de l'Ouest a enregistré début août en Guinée son premier cas de virus de Marburg, cousin du virus Ebola et maladie pour lequel il n'existe ni vaccin ni traitement. Covid-19, les hôpitaux du Maroc sont saturés. Les patients qui sont admis n'ont pas de lit pour être traités convenablement. C'est l'essentiel de la page internationale. Cet hôpital de Rabat, c'est le branle-bas de combat. Depuis plusieurs semaines, le nombre de patients au sein de ce service de réanimation continue de grimper inexorablement. À tel point que les lits commencent maintenant à manquer. Dans certains hôpitaux de Casablanca et de Marrakech, tous les lits de réanimation sont occupés. Ici à Rabat, les médecins ont dû faire des choix difficiles pour soigner tous ces malades du Covid-19. باش تكلف مرضى الكوفيد وهذا عنده انعكاس سلبي على المرضى اللي خصهم مثلا يديروا عمليات جراحيه. Pour tenter de contrer cette flambée d'infection à cause du variant Delta, les autorités ont récemment instauré un passeport vaccinal. Accessible à tous ceux qui ont fini leur cycle vaccinal, le document permet de circuler dans tout le pays malgré les restrictions en cours. Les habitants peuvent retirer leur passeport à plusieurs endroits, y compris dans cette librairie. بالنسبه للبطاقه ديال جواز اللقاح ديال الكورونا فاحنا كنطبعوها للناس من لو سيت ويب دونك هذه الطريقه هذه كتسهل على الناس اولا البطاقه ريجيد ما كتضيعش ليهم. Plus de 16 millions de Marocains ont déjà reçu une première dose de vaccin, soit environ 45% de la population. Et pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de lire les journaux ce matin, Patrick Polidor Ngazami vous vient en aide avec cette revue de presse dont il sélectionne et commente pour vous. Alors que le potentiel parle encore du délai de grâce dont auront une fois de plus bénéficié les confessions religieuses, délai du reste sollicité par Mgr Marcel Outembi auprès du président de l'Assemblée nationale pour vider totalement le dossier déposé sur la table des discussions de la plateforme, Econews, lui, constate que l'impasse est totale. Le journal salue de ce fait le glissement qu'il voit arriver. En effet, indique le tri hebdomadaire, au regard des conditions actuelles qui confirment jusque-là l'impossibilité pour les confessions religieuses d'aplanir leurs divergences sur le choix du successeur de Corneille Nangaa, les éléments du puzzle se mettent en place pour un glissement plus que jamais prévisible en 2023. Pour la prospérité, le divorce est consommé au sein des confessions religieuses et ce, avec le dépôt par le groupe des six confessions de leur procès-verbal alors qu'une plénière était prévue hier à la commission paritaire mixte pour tenter d'aplanir les divergences résiduelles. Les églises catholiques et protestantes n'ont donc plus trouvé d'intérêt de se présenter à une telle réunion dont la substance était déjà vidée. Décidément, comme le titre Forum des As, Mbosso se trouve devant deux équations difficiles à résoudre. En effet, vu des observateurs, écrit le quotidien, si Christophe Mbosso se prononce en faveur du duo Senko-ECC, alors il aura ainsi cautionné le pourrissement de la situation actuelle. Et s'il accepte le procès-verbal des six autres confessions religieuses, il aura alors choisi son camp. D'où le dilemme. Que faire alors? Il faut recourir à ce que l'avenir appelle jurisprudence Mabunda, allusion faite au cas Ronsard Malonda pour lequel l'arbitrage du président de la République avait été sollicité. La Senko et l'ECC ne voulant pas céder leur leadership au nom d'une quelconque majorité, indique le quotidien, sollicitent par le biais du présidium de la plateforme l'arbitrage de Félix Tshisekedi pour couper court. Les deux confessions religieuses veulent donc rencontrer le chef de l'État. Enfin, le journal alerte sur l'arrestation du conseiller financier de la ministre de la Formation professionnelle. Il a été arrêté le jeudi 19 août par la police judiciaire. Selon les tabloïds, il est reproché à Honoré Mampouya le détournement de 1 200 000 dollars américains illégalement pris auprès du comptable public. Africa News, qui évoque le même dossier, précise que le conseiller financier de la ministre Antoinette Kipoulou
a été dénoncé par l'inspection générale des finances, qui l'a fait savoir à cette dernière par correspondance. Des sources ont confié jeudi qu'une bonne partie de l'argent en question était destinée à l'organisation du test national sanctionnant la fin des études dans ce sous-secteur de l'enseignement, précisant que le cabinet Kipourou a promis en vain les justificatifs y afférents. Bonsoir. Et fin de cette session d'information, mais avant de la clore complètement, le rappel du titre. Il n'y a toujours pas de consensus dans la désignation du président de la CENI par le chef de confession religieuse. Le flou persiste et la population invite les pères spirituels à une large compréhension pour le bien-être de tous. Poursuite de l'instruction de l'affaire commissaire divisionnaire adjoint Palanganawesh Elvis, la haute cour militaire a interrogé certains instructeurs de la police nationale congolaise en qualité de témoins. Et voilà, mesdames et messieurs, qui vient mettre terme à cette session d'information dont Sylvie Fortuné Mboula en était chef d'édition. Merci de votre aimable attention et à très prochainement.